No sé quién te dejó, pero amor, créelo. Tienen un par de vidas, ese sería yo. Te tiene que doler, pero ya déjalo. Que no es como... Bienvenue dans cette énième journée à la messe. Commençons par les filets à foie. Nadie sabe tan rico como tú, como tú, como tú, como tú, baby. Yeah. Y el que mata con esa actitud, 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 te porta mal. J'espère que ma mère n'est pas en train de regarder ça. Elle a été assistante de dentiste pendant plus de 20 ans et elle m'a toujours dit qu'il fallait jamais utiliser ses dents. Ouf, j'y suis arrivée. Derrière Lucie. Il n'y a même pas besoin de faire de mieux en fait sur celui de Lucie. Bah ouais. Et le dernier, le mien. Les fils à foin sont faits, GG en train de les mettre. Passons à l'eau. Ah non, en fait, il a dit qu'il y avait encore assez d'eau. Donc on peut reposer l'eau. Alors, aujourd'hui est le grand jour pour ressauter et voir si Goldie est plantée ou si je suis plantée. Normalement, non. Hein. Mais je vous avoue que je stresse un petit peu quand même. Du coup, on va aller se mettre dans une carrière de détente qu'on a réservée, une carrière de détente de saut que nous avons réservé, et à 10h, bah, du coup, de jump. Et j'espère qu'on va trouver quelqu'un pour me filmer. Regarde comment elle a fait. Ah, t'es en train de boire, pardon, je te réveille. Coucou toi. Coucou, coucou. Oh, il y a des petits crottins. Bien, le transit fonctionne bien. Y'a pas. Coucou, Victor. Bonjour Vecteur. Bonjour Vecteur de l'échelle. Bonjour. Oui, oui, oui. Là, ça a fait une infusion à la toile. Bonjour Foufou. Tu manges pas les doigts s'il te plaît. Bonjour petit nez rose. Oui, tu es beau. Les doigts restent sur ma main, Fransac. Bonjour. Bonjour. Oui, t'es trop beau. Coucou, Baraka. Coucou, petit canon. Coucou, petit canon. Oui. Vecteur. Vecteur. Bien. Oui, t'es beau. On se met. Une carotte. Une carotte. Oui, c'est bon. Je vais brosser Goldie et je vais la sceller et on va aller marcher et ensuite on ira sauter. Enfin détendre et ensuite sauter. T'es d'accord? On va voir si on est planté. Oui, c'est ça. Parce que quand t'as mis balade en main, pour rendre sur quelque chose. Ah, il a raison. Bah oui, j'ai mis balade. Mon cure-pied est tombé dans la... Génial. On est toutes prêtes et on va aller marcher jusqu'à la carrière de détente libre. Donc apparemment on détend là. Et ensuite, on passe dans la carrière à côté pour sauter. Je vous avoue avoir un petit stress. J'ai quand même un petit peu le cœur qui bat la chamade. Je suis un peu angoissée que Goldie soit plantée. Mais je ne pense pas. Mais j'ai un peu peur. Normal. T'en penses quoi, ma nénette? Après, elle est super calme. J'ai l'impression que là, ce matin, ses chaleurs se sont vraiment calmées. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle. Quand tu veux. Ah.
Alors là, j'ai jamais été aussi stressée devant une barre. Absolument tout mon corps était crispé, j'avais une boule au ventre et j'anticipais la sensation de refus. C'était un mélange d'adrénaline et en même temps une sensation tellement désagréable de doute et de frustration et de colère. C'est aussi à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que j'avais perdu toute confiance en Goldie. J'ai serré mes dents et j'ai fermé les yeux. Non, c'est pas vrai, je ferme pas les yeux, j'ai trop peur. Dans ma tête, ça a fait chikaboum-boum. Mais j'avais toujours peur. Oh, je me suis lâchée sur le tour de carrière, hein, c'est normal. J'aime beaucoup galoper comme ça, surtout quand il y a un grand espace. C'est très agréable. Et ça faisait un peu baisser ma tension. Et let's go pour un deuxième saut. Ça passe. C'est marrant, hein, parce que quand on regarde les images, j'ai l'air hyper confiante. Mais non, je vous assure, je pleurais, je chialais, c'était horrible. J'avais très très peur. Tiens, extra. Ouais, parce que je suis pas sûr d'avoir bien filmé. N'importe quoi. Et Jérôme s'est vraiment appliqué pour filmer et c'est trop cool parce que c'est grâce à lui que j'ai ces petites images qui étaient vraiment importantes pour moi. Non mais, alors j'ai le droit de me moquer de moi hein, parce que c'est moi. Mais ce taxi, allez on se le remet. Elle est vraiment magnifique cette jument. C'est bon, elle est réparée. Je suis super émue parce que j'étais vraiment stressée qu'elle soit complètement plantée. Et en fait, c'est bon, elle roule bien, elle tire bien vers l'avant, elle a pas hésité une seule seconde. Donc le moral de l'histoire, c'est vraiment la chaleur alors. Mais je vous avoue que quand j'arrivais devant la toute première petite croix qu'on a fait, je me suis posé la question si elle allait s'arrêter. Et c'est trop cool parce que du coup, elle y a retourné sans problème. Par contre, ce que je savais pas encore, c'est que ça serait le tout début de 3 mois extrêmement difficiles. Du coup, on est parti pour une bonne petite balade. Ok, on est dans les bois et je vais dire un truc que du coup, je peux pas redire aux gens que j'ai croisé. Alors, on a croisé des gens au trot, et nous, on était au pas. J'étais avec d'autres personnes, on était au pas. Et en fait, on nous a dit au début de la forêt qu'il y avait le PTV. Mais en fait, ils avaient pas de dossard et tout, donc moi j'en ai déduit qu'ils étaient pas du PTV. Et donc du coup, j'ai trouvé ça hyper dangereux de passer à côté de nous au trot, sachant qu'ils étaient 4, le terrain est assez étroit, et qu'on est que 3. Voilà, par exemple, elle arrive au trot en face de moi, et elle repasse ou pas. Sauf que du coup, on sait pas si c'était une équipe de PTV ou pas, mais ils avaient aucun dossard, rien. De face, j'ai pas vu de dossard, mais après coup, je me suis dit peut-être qu'ils étaient dans leur dos. Donc dites-moi en fait, en com, pour m'éduquer, si... Normalement, ils sont censés avoir des dossards avec leur numéro, comme en cross. Parce que du coup, bah, je leur ai dit, c'est dangereux. En fait, normalement, on repasse au pas quand on passe à côté de personnes. Oui, j'ai fait ma rageuse. Ils m'ont tous regardé un peu de manière chelou. Donc, je me dis qu'en fait, j'aurais peut-être dû fermer ma bouche et qu'ils étaient en PTV. Donc voilà, donc messieurs, dames, si vous étiez en PTV en train de faire votre concours, votre championnat de France, je suis vraiment désolée et je m'excuse. Et Julia a encore perdu une occasion de se taire. Pardon. Il y a moyen que c'est ce joli tapis qui m'ait redonné du courage. Ça fait trop du bien de retrouver Goldie, là, je la sens dynamique et tout, elle est trop bien, elle a peur de tout, voilà, c'est parfait. Ça fait trop du bien, en fait, de retrouver son cheval comme on le connaît. Et ça fait bizarre parce qu'en fait, je pensais vraiment la connaître par cœur, vraiment. Et là, je voyais que, genre, c'était pas son état normal. Non, on va pas là, c'est interdit. Goldie, c'est interdit de cavalier ici, on peut pas. Elle voulait aller là où il y a un étrier barré. J'ai beau avoir déjà vécu plein de choses avec elle, plein d'expériences et tout, je l'ai jamais connue avec des chaleurs aussi... douloureuse, je suppose que c'était douloureuse, en tout cas vraiment forte. Après, je me rappelle que dans mon écurie, il y avait un monsieur qui était ancien moniteur qui m'avait dit qu'il avait connu une jument qui, elle, quand elle avait ses chaleurs, la jument ne mettait pas un pied devant l'autre, mais genre vraiment pas. Elle refusait d'avancer totalement. Elle a envie de rattraper les autres. Si je me penche, elle va partir au trot. Voilà. Non, 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 il y a des racines. J'aimerais lui faire un câlin, mais je peux pas. Tu es la meilleure jument du monde, je t'aime à la folie. Je tiens à dire que c'est la première fois que je suis vraiment à la lettre et pas si en malade. C'est bon Jacqueline, on vient rattraper. Merci pour la discrétion. Hein. Goldie, elle est au taquet pour sortir. C'est peut-être le PTV Goldie. C'est fou quand même le nombre de chevaux qu'il peut avoir. Hein. C'est impressionnant. Hein. Je pense que ma petite bichette, t'as jamais vu autant de poneys toi. Hein. Bon, on voulait faire une petite visite à Saphir, mais il n'y a pas Jade. Non, tu l'aimes plus. Elle n'est plus en chaleur, elle n'a plus rien à foutre de Saphir. Merci madame.
J'ai laissé ce passage parce qu'en fait, j'étais contente d'avoir filmé un moment courtois entre deux cavaliers. Ça court pas les rues en général. Oui, c'est bien ça. Oula, c'est... Non, on monte pas trop. Je marche et j'ai que des sourires et les gens, ils ont les yeux qui s'illuminent quand ils me voient ou quand ils voient Goldie. Et c'est un bonheur, mais sans nom. Et du coup, tout le monde m'appelle Julia, tout le monde dit « Oh, t'es Goldie !» Et c'est trop agréable. Enfin, en tout cas, ça me réchauffe le cœur à chaque fois, c'est trop génial. Est-ce que je vais survivre au sac plastique? On va voir ça. Oui, c'est bien, dis donc. Waouh, t'as rien dit Goldie, bravo. Finalement, le travail à pied finit par payer. Je suis contente. Je souhaite à tout le monde de savoir ce que ça fait d'arriver quelque part et d'être genre un rayon de soleil et de voir le visage des gens s'éclairer. C'est vraiment, je crois que la plus grande satisfaction sur le fait d'être connu sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui clémente de l'amour là-bas. Bah, c'est qui est couché? Oh non, il va se relever. Oh là là, bébé. Oh oui. Tu faisais la sieste, petit gros. Ouh là là, ça s'étire. Ça s'étire et ça embrasse sa chérie. Et sa queen, parce qu'elle est plus en chaleur. Eh bah, le petit pipi, il était pas de trop. Hein. Finalement, il est peut-être encore un peu en chaleur. Ouais. En chaleur ou pas encore? Bah, il pleut un peu, mais ça va. Bon, la balade fut vraiment sympa. Je me demande si je ne veux pas aller acheter de la paille et tout repailler parce que le box de Goldie commence à me saouler. Comment ça dégueule. Enfin, c'est dégueulasse. On a beau nettoyer, mais ça reste dégueulasse. Alors, je vais faire un petit massage à Goldie comme la masseuse m'a montré au niveau de son garrot. Et je vais aller lui donner des petites friandises. Je suis vraiment contente. Je me suis levée stressée. Coucou Lucie! Coucou! Ça va? Ça va et toi? C'était bien le saut? C'était trop bien! Cool! Ah, trop bien ce saut! J'étais en PLS. Tu sais la sensation quand t'arrives devant la barre et que tu te dis est-ce qu'il va sauter ou pas? Ouais. Et là, pop pop! Elle saute. Et après, il a réussi à me mettre un mètre en auxerre et c'est très bien passé. Cool. On a même fait des bons taxis! Salut! Oui! Oui, je crois qu'il y a toujours Marianne, elle l'a oui. Toujours. Ouais, ouais. C'est vrai? Mais non! Ah, incroyable! Bah oui, il va bien, il a une tendinite, je crois. Non, il est bien, il est très beau, elle le monte super bien, Marianne, vraiment très très bien. C'est grave que je sois pas retournée voir Goldie cet après-midi. Non, parce que le fils était là. Oui, le fils va s'en occuper. Les bottes sont équipées. Fait? Ah bon? Ah ouais? Ah cool! Ah trop cool! Trop bien! Il y a du mot, le ouais, ouais. Bon, après, normalement, ils ont pas dû refaire le fil à fond. Je vais débarrasser de la vaisselle. Oh, j'ai toujours faim, pas toi? J'ai hyper faim. trop faim. Alors, je me suis refait un petit sur le chicken tout à l'heure. Faire des vidéos, ça creuse. Bon bah je vous abandonne ici pour ce vlog qui est devenu de assez court, mais bon au moins j'ai ressauté et je suis très heureuse. J'ai passé mon après-midi à dormir en fait. Voilà, et du coup bah je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour le deuxième tour de Mathilde et Lucie. Bisous.